Alors, la toque, cette peinture, ça avance? Oh, c'est très joli, cette couleur. Mais tu n'as plus de peinture. Ah, ben, tu n'as qu'à en préparer d'autres. Mais c'est beaucoup plus foncé. Pourquoi? Voyons, voyons, tu as mis 3 tubes de colorant pour 1 litre de peinture blanche. Alors que pour ton premier mélange, tu avais mis aussi 3 tubes de colorant, mais pour 2 litres de peinture blanche. Il n'y a pas la même proportion de jaune dans les deux bidons. Il faudrait 2 fois plus de colorant dans le bidon de 2 litres pour qu'il soit de la même couleur. C'est pour ça qu'il est plus clair. Bon, ce n'est pas grave. J'aime beaucoup aussi le jaune foncé. Oh, avec tout ça, on est en retard. Tu finiras la peinture plus tard. On a un gâteau à terminer. Vite, Latoc, décore ce gâteau. Tu n'as qu'à dessiner ce qui te passe par la tête. Aïe, tu n'as pas préparé assez de crème. Attention, Latoc. Ce pot contient 30 centilitres de crème, alors que le premier en contenait seulement 20. Alors, si tu ne veux pas faire comme pour la peinture, et si tu veux que la suite de ton dessin soit exactement de la même couleur, il faut que tu mettes du colorant dans la même proportion. Alors, combien de colorant dois-tu mettre pour 30 centilitres? Oui. Donc, on peut dire qu'il y a une bouteille de colorant pour 10 centilitres dans ton premier mélange. Pour avoir exactement la même couleur, il faut donc 3 bouteilles de colorant, puisque 30 centilitres, c'est 3 fois 10 centilitres. Pour comparer tes mélanges, tu es revenu à une unité commune. Ici, 10 centilitres. Oh, Latoc, j'adore ton dessin.